Question piège. Je vais essayer de ne pas tomber dans les banalités et surtout, ce n'est pas mon style de ne pas faire dans le politiquement correct. Donc, je pense que oui et je vais l'assumer. C'est le matin de l'économie et on parle de la réussite des femmes au féminin. Donc, je vais essayer de vous expliquer pourquoi je l'assume et pourquoi je pense que oui. Donc, le management, c'est diriger, c'est organiser, c'est gérer des hommes. Je pense qu'il y a, comme les hommes et les femmes sont faits différemment et surtout d'ailleurs psychologiquement, il est normal que s'agissant du levier humain, on ne réagisse pas de la même façon, on a un autre angle de vue. Donc, je pense qu'on est à peu près comparable pour ce qui est des techniques de pilotage, de détermination des objectifs, d'organiser une société, de donner une vision. Ça, évidemment, je pense que cette partie-là du management, on peut s'accorder pour se dire qu'il n'y a pas trop de différence. Par contre, pour mobiliser le levier humain, c'est-à-dire en gros motiver les collaborateurs, les fédérer, gérer les conflits, approcher les choses d'une façon un peu différente et notamment par l'humain aussi, pas seulement par la technique, je pense qu'effectivement, on s'y prend différent, on a un angle différent, on a un cerveau différent. On a peut-être une intuition, peut-être plus de créativité. On va peut-être plus aussi gérer les égos, gérer son égo, gérer les égos des autres. Donc voilà, j'assume et je pense qu'effectivement, il y a une différence et tant mieux. C'est ce qui fait la richesse d'une entreprise. Donc j'encourage toutes les entreprises à avoir des hommes et des femmes managers pour qu'elles seront encore plus performantes. Et ce que j'aimerais pouvoir faire pour Altares, parce que nous, on est une société data, donc je vais terminer là-dessus, j'aimerais bien pouvoir dire que l'idéal serait de mesurer en fait s'il y a une vraie différence en regardant les performances comparées des sociétés gérées par des hommes, des sociétés gérées par les femmes, et l'on verrait s'il y a une vraie différence au quotidien dans les entreprises.